Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de jeu rétro sur la Nintendo Switch. Et comme je vous avais dit la fois passée, je ferai sans doute Double Dragon. C'est un des jeux rétro que je vous ai fait sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un petit peu avant les vacances, il me semble. Ou pendant les vacances, je ne sais plus. Soit. Il suffit d'aller checker dans la chaîne. C'était un jeu que j'avais joué sur Game Boy, la toute première Game Boy. C'était en couleur gris. Il n'y avait pas de couleur. C'était en gris. Voilà, c'est pas en couleur gris, c'est gris. Gris, 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 gris. Voilà, c'est pas une couleur. Enfin, soit. Ici, je pense que c'est la version de la NES en couleur. Donc, on va voir. Mode A, un player. Ben, ouais. Ouais, on fait le mode A. Effectivement, c'est en couleur. Là, on voit la jeune fille qui se fait enlever par des bandits. Si je me souviens bien, l'histoire, c'est la sœur du héros, du personnage ici, qui se fait enlever. Et effectivement, c'est bien en couleur. Il a l'air un petit peu différent de la version que j'ai testée, la version Game Boy. Ici c'est la version NES, la version AK Arcade. Ça a été un grand succès, Double Dragon, sur Born Arcade, parce qu'on l'a retrouvé sur Born Arcade, mais quasiment partout, hein. À l'époque, vous n'avez pas connu forcément, pour la plupart d'entre vous, ces jeux d'arcade. Oula, j'ai ramassé le fouet. Tiens, prends ça. Ouh, trop cool. Oh, je l'ai perdu. Bon, simple. Oh non! Hey! Je me fais battre là! Waouh! Qu'est-ce que tu viens me faire là? Il y a des petits bugs d'affichage! Il y a des petits bugs d'affichage! Le bonhomme était un petit peu coupé là! Vous avez vu? Sa tête était un petit peu coupée! Oulala! Oulala! Ah ouais! Regardez, il y a des petits bugs! Des petits bugs d'affichage! J'ai ramassé le. Tolo! Voilà! Voilà! Vous avez vu sa tête qui est. Qui est coupé quand il est par terre. Alors, je sais pas du tout si c'est normal, si c'est voilà, si c'est un défaut de conception, sans doute. J'en sais rien du tout. Oh, tu lâches ça, toi. Moi, je le ramasse. Et, tiens, prends ça. Non, toi, tu restes par terre. Tiens, voilà. Ok. Non, moi, j'adore ce jeu. J'y ai joué des heures à l'époque. Bon, pas cette version-là. Parce que cette version-là est un petit peu différente. Vous pouvez regarder sur la chaîne la version que je vous ai faite. Vous verrez les différences. Bah, déjà au niveau de la couleur, hein, qui est complètement différente. Celui-ci est sorti, à mon avis, après, bien après, la version Game Boy. C'est plus sympa avec des couleurs, hein, ça c'est sûr. C'est beaucoup plus sympa avec des couleurs. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup cette version. Waouh. Mais carrément, il commence à me tabasser là dès que j'arrive. Non mais oh, ça va pas la tête. On dégage les gars, on dégage. Vous dégagez. Voilà, merci. Oula, c'est déjà le boss. Oula, vous avez vu le bug d'affichage, comment il a. Waouh, non, tu vas pas me frapper, toi. Oh, waouh, tu vas te calmer, là. Waouh. Non. Ah, voilà. Ouh, je l'ai battu, déjà. Wouhou, cool. Mission 2. Non mais, oh, ça va pas la tête. Tu vas lâcher... Non, j'ai dit, tu vas lâcher la caisse, toi. Non, mais comment il fait, là? Comment il fait, là? Tu fais le malin? Tiens, prends ça dans la tronche. Ok, c'est parti. Youhou! Aïe! Non mais, ils sont violents, hein. Ils sont un petit peu plus compliqués que dans la version Game Boy, hein. Ouais, ils sont plus compliqués que dans la version Game Boy. Parfait, on avance. Qu'est-ce qu'il m'a balancé là? Ah! Oh, un pétard ou une dynamite ou un truc du style. Ok. Je suis censé aller où là?
Ok. Ah ouais, d'accord. Non, non, toi tu restes à terre. Oh là, il a une batte là. Ouh là, ça rigole plus. Tiens, tiens, prends ça. Ouh. D'accord, je croyais qu'il fallait sauter dans le trou, mais non. C'est dommage. C'est dommage, j'ai perdu une vie pour rien. Ah, je peux pas descendre. Non, je me laisse tomber. Ah ouais, non, d'accord, ok. C'est peut-être parce que j'ai la batte en main. Il y a des... Non mais, tu vas faire exploser le bazar là? Il a fait exploser son copain, le con. Le con, le con! Voilà, et je fais quoi là? J'attends encore? C'est trop cool avec la batte, c'est facile. Voilà, comment elle me fouette elle? Oh non, tu vas te calmer. Tu vas te calmer, moi je te le dis. Voilà, je prends ton fouet. Tiens, toi tu restes par terre. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit tu restes par terre. Voilà, ok. Ouh. Allez, grimpe, 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 grimpe. Il a grimpé avec le fouet. Il la garde en main. Trop trop cool. C'est trop facile avec les ustensiles là. Il y en a un qui va descendre. Ah, allez, je t'attends. Je t'attends. Il a une drôle de perruque là. Hein. Non mais en fait c'est des femmes là. Ouais c'est des femmes, on dirait bien. Ouais ouais. Des femmes bodybuildées. Ces petites musiques là. Ah, allez monte. Alors, je vous conseille de jouer avec les croix directionnelles et pas le joystick. Hein. Le joystick fonctionne, hein, mais c'est plus facile de jouer avec les croix. Un peu comme à l'ancienne, hein, parce qu'il n'y avait pas de joystick. Oula! Carrément! C'est quoi ce gros monstre là? Oula! Comment je l'ai attrapé par les cheveux là? Non mais, oh. Tu vas te calmer, toi. Voilà. Ok. C'est fini? Déjà? Le niveau est déjà terminé. Cool. Mission 3. Ah ouais, je me souviens, celui-là, avec les arbres et l'espèce d'eau. Il y a deux rivières, il fallait sauter au-dessus. Ah, ce qui est bien, c'est que je récupère toute ma vie. Oh, il me balance un couteau, le salaud. Et j'avais pas vu qu'il avait un couteau en main. Mais dommage que j'ai pas su récupérer le... Waouh, waouh, waouh. Non mais, oh, tu vas te calmer, toi, il était perché dans l'arbre. Je devais m'y attendre, hein, parce que dans la version Game Boy, c'est pareil. Sauf que il saute pas directement dessus, non? Eh, hey, tu m'as pas vu cette fois-ci. Boum. Toi, viens ici. Wow. Allez, tout au point, voilà. Oh, c'est de la triche là. Tu me sautes dessus avec ton pied là, c'est pas cool du tout. Oh, encore hein, comme ça. Non. Ouais, voilà, voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Oh, encore un. Non mais oh, oh, oh. Voilà. Anne. Oula, je reçois encore un coup et je suis mort là. Ouf, 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 ouf. Il y avait pas ces bonhommes dans la version classique ou pas comme ça. Aïe. Non. Voilà. Toi, tu dégages. Non mais oh, vous y mettez pas à deux là. Non mais oh. Oh les gars là. Non mais aïe. Oh. Voilà. Ça c'est mieux. J'adore ce jeu. J'adore. Ça. Je retourne un peu en enfance comme ça. Je retourne un peu en enfance et c'est génial. J'adore. C'est trop trop cool de pouvoir jouer à ces jeux sur la Switch. Je vous l'ai déjà dit hein. Mais je pense que je vais me faire... tous les jeux là qui sont disponibles, et ça serait bien qu'ils en mettent d'autres. Je sais pas si ça va être disponible en permanence tous les jeux.
ou s'ils vont en mettre, s'ils vont les changer, si on va en mettre d'autres, des nouveaux, enfin des nouveaux entre guillemets, hein, mais d'autres. Ouais, toi tu dégages avec ta batte. Hop là, je la prends. Merci. Ah ouais, c'est ici avec le pont. Wow. Comment il m'a balancé son couteau là dans la tronche? Désolé de mon. Désolé, hein. D'habitude je parle pas comme ça. Mais voilà. Je suis dans l'ambiance du jeu. Avec des méchants là. Bah. Tiens, dégage. Alors pour sauter, vous n'avez pas un bouton pour sauter, c'est A et B, vous appuyez sur A et B en même temps, et vous faites un petit saut comme ça. Comme ça! Tiens! Non! Oh, wow! On a sauté tous les deux. Trop cool. Ah, il me reste plus qu'une barre. Non! Oh là! Toi, tu restes à terre. Non, mais oh! Qu'est-ce que j'ai fait là? Non! Pas cool, j'étais presque à la fin. Oh! Bah, voilà. Voilà. Ah, bah, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Voilà. On n'a pas des vies infinies. Ça, c'était à l'époque. Hein. Vous avez un certain nombre de vies. Et puis, une fois que c'est fini, bah, vous recommencez au tout début. Mais l'avantage, c'est que c'est toujours les mêmes ennemis, aux mêmes endroits, au même moment. Donc, au bout d'un moment, vous savez ce qu'ils vont faire, par où ils arrivent et tout ça. Donc, c'est facile d'esquiver. Et puis, quand vous connaissez toutes les façons d'attaquer, toutes les techniques, enfin, il n'y en a pas beaucoup en même temps, hein, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais voilà, c'est pas compliqué du tout. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous mettrez un maximum de pouces bleus pour cette petite vidéo qui est bien sympathique. Moi, j'adore toujours me retrouver sur des anciens jeux comme ça. Voilà, ça me rappelle trop de souvenirs. Et ça me fait penser que, on ne va pas en rajeunissant. Non, malheureusement. Et ça nous rappelle qu'on est un petit peu plus âgé, un petit peu plus vieux, chaque jour. Forcément, et que les années passent très vite. J'ai l'impression que cette époque était pas si loin, mais ça date quand même, hein. Ça fait plus de 20 ans. Hein. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser, je vais arrêter de blablater. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne après-midi, bonne soirée, tout ce que vous voulez, tout dépendra de quand vous regarderez cette vidéo, comme d'habitude. Voilà. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo ou un petit live. Vous le verrez bien. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, tout le monde.